Salut, bienvenue sur Motors and Passion. Aujourd'hui, nous sommes à Magny-Cours pour l'Ultimate Cup. Oyan, qu'est-ce qu'on va voir? On va suivre l'équipe Race Motorsport et plus précisément Frédéric Boyau. Eh bien, on est parti. Allez, go. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le box, un petit peu avant la course. C'est le calme avant la tempête. Les pilotes sont en train de se préparer. Tu as tout le team Mecha en train de peaufiner les derniers réglages. Et là donc tu as Monsieur Ultimate. Monsieur Ultimate. Et Monsieur Ultimate c'est Bibendum. C'est Bibendum. Mais tu vois comme il est grand. Il est grand. Et là on reconnaît Fred. Salut Fred. Salut, ça va? Comment tu vas? Très bien. On est bientôt parti, concentration au top pour les qualifs. Un petit peu, ça va aller. Pas de stress, tout va bien? Tout va bien. Et donc tu peux choisir ton programme, tu peux regarder ton virage. Sur cet écran on a départ, sur cet écran on aura les positions and the best time. Hein? Tu vois, même pendant le boulot, t'arrives à être souriant, c'est incroyable. Donc là tu vois, tu as tout le team qui suit la course. Oh, c'est qui ça? C'est Fred Boileau là qui s'en sort de vos biens? Ouais. Et t'as celui-là, il a un cul bordé de nouilles. De l'huile là. Oui, par contre, oui, parce que je voyais que ça, c'était en train de fuir. T'es quand même content? Oui, bah c'est une course, voilà. Au safety. Bon. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, c'est le temps et tout, bon voilà. On a eu peur pour David parce qu'on a vu une casse juste avant son passage et il part en tête à queue sur les fluides là. Bon, bah écoute, on espère que ça sera meilleur pour la deuxième. On verra la deuxième. Ouais, oui. Tu vois, c'est ça, on va garder la frite en espérant que ça avance comme l'équipe le souhaite. Mais il n'y a pas de raison. Je fais un 3-6 sur la piste sans problème. Là, c'est petit débrief de course. Je profite d'un petit moment d'accalmie entre deux Formule 3. Si jamais, abonne-toi, fais tourner, partage, laisse-nous des commentaires, savoir ce qui te plairait de voir et peut-être de voir un peu moins. Bon, ne dis pas ma gueule, j'imagine, même moi j'aime pas me voir. Ça fera plaisir d'avoir des retours. Nous ne sommes que des amateurs. Allons. Alors là, comme tu peux voir, c'est vraiment les derniers fignolages.
on va te montrer ce qu'il y a sur la table. Regarde seulement pourquoi on se déplace. Bon Franck, qu'est-ce que t'en penses? De beaux progrès. C'est pas mal, non? Ouais. Bah ouais, super. Super. C'est juste bien. Extra, ouais. Et on se rapproche un peu de devant, donc pour la troisième course, ce sera sympa. Ceux qu'on suit sont sur le podium. C'est vraiment du bol. En fait, c'est pas du bol, c'est du talent. Hey, mon bon Fred, est-ce qu'on est content? Super. Bah oui. Super. Et puis c'est bon pour le team quand même. Hein ouais, ouais, oh, ouais. Là là. Super. Ça rate de la coupe. Excellent. Regarde, tu vois, on est venu suivre Fred et son équipe, mais regarde. J'espère que ça t'aura fait plaisir de partager ce moment avec le team Race Motorsport. Donc sur la Formule 3 à Magny-Cours dans le cadre de l'Ultimate Cup. C'était vraiment top et je les remercie encore de m'avoir invité. Fred, comment ça s'est passé ton week-end? Impeccable, 3 courses, 3 podiums, donc satisfait. Bah voilà, on s'est pas déplacé pour rien. C'est extra. Le contrat est rempli. Contrat est rempli. C'est top. Bah, on compte sur toi pour continuer à suivre les vidéos qu'on va te faire. Et tu verras, il y aura de la RS01 et puis quelque chose de plus global. Allez, à bientôt.